Allez, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes donc le mercredi 1er septembre, au moment où j'enregistre la VOD. Nous sommes actuellement en live, non pas sur Twitch exceptionnellement, mais sur Discord tout simplement parce que mon réseau ne me permet pas de live en ce moment. Donc on va faire les invocations avec les viewers et les abonnés tout simplement sur Discord directement. Voilà, vous voyez qu'on est parti pour faire mes invocations sur la Shogun Raiden. Donc Raiden, l'archon électro-balle. Avec sa suivante Sarah, tout simplement, je suis actuellement à 0 de pitié en 50-50. Donc on part complètement vierge et le but, bien sûr, est d'avoir Baal. Je n'irai pas chercher sa lance puisque j'ai déjà une très bonne lance à lui équiper. Et si je peux récupérer, bien sûr, Sarah au milieu des poules, écoutez, je n'en serais pas du tout mécontent. Vous voyez qu'actuellement, on a 16 000 primogènes, donc à peine de quoi faire une pitié entière et ça va être très très chaud, donc on espère l'avoir au 50-50 direct. Si on arrive à l'avoir au 50-50, tout est gagné et on pourra partir vainqueur. Je garde encore un peu des astéries de côté, alors vous les voyez pas parce qu'elles sont derrière moi, mais j'aimerais bien garder des astéries de côté pour pouvoir prendre un arc roche noire en fait pour Aloy, tout simplement. Allez, sans plus tarder, on va directement démarrer. Donc sur le portail, il y a vraiment que Sarah et Baal qui m'intéressent, surtout Baal bien sûr. Et sinon, on dirait peut-être pas non à quelques Noël, quelques Yanfei à la rigueur et quelques Sayu. Allez, on va commencer avec la première multi et souhaitez-moi bonne chance tout simplement. J'espère que vos poules se passeront aussi pour le mieux. 4 étoiles première multi, c'est pas trop étonnant jusque-là. Si on peut avoir une petite Sarah qui tombe directement dans le panier, en vrai, je dis pas non quand même. Ouais. Perso hors portail, évidemment, celle qui tombe, bien sûr. Bien sûr. Vous connaissez mon amour pour ce personnage. De son amour pour moi. Ah, Sucrose qui tombe encore une fois, donc ça me fait 2. J'avais pas Sucrose C6? Ah, j'avais pas Sucrose C6. Bon, bah, comme quoi, finalement, c'était peut-être pas si perdu que ça. Super. Et bah, on continue dans ce cas, tranquillement. Deuxième ulti invocation. Ah, s'il y a du doré maintenant, ce serait génial. Ah bon, faut pas rêver non plus, quand même. Il est arrivé que une ou deux fois, malheureusement. Petite Sarah par contre directement, je ne dirais pas non. On se fait désirer. Oh, 2 4 étoiles d'affilée, ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir redropper un 4 étoiles encore après. Enfin, un perso du portail cette fois, à coup sûr. Donc Sarah, ça serait cool. Donc une petite invocation en plus, hein. Tous les C6 que j'ai bien sûr se transforment directement en poule sur la permanente. Troisième multi-invocation, on va arriver aux 30 poules. 4 étoiles encore. Allez, Sarah, là, ça serait cool. Ça serait vraiment cool d'avoir Sarah maintenant, en vrai. Je crois que c'est ce qui me manquait peut-être pour l'avoir C6, je suppose, à la rigueur. Donc pourquoi pas. Je dis pas non dans la mesure où tant que je l'ai pas C6, bon bah. Épée horloge qui tombe direct. Donc encore une fois, on aura encore un. Ouais, je crois que c'était mon C6, ça. On aura encore un 4 étoiles de la bannière qui sera directement featuré juste derrière. Ok, 3 multi pour l'instant. On a plutôt bien réussi notre coup dans la mesure où jusque-là on a eu pas mal de 4 étoiles et on est encore bon voilà dans les taux normaux, j'ai envie de dire. Donc c'est pas trop un souci, on va continuer. Quatrième multi-invocation. 4 étoiles encore. Enfin, ça serait bien qu'un jour j'ai un 5 étoiles qui tombe très très vite, ça m'arrangerait quand même. Ça me sauverait un peu les niches. Cette fois c'est Sucrose et donc ça y est, je l'ai bien T6. Ok, on est à 40, on va passer aux 50. On va s'approcher tout doucement de la soft, qui est à 75, je le rappelle. Ça serait bien que ça tombe avant quand même. Ah, toujours pas. À la rigueur, Sarah, en vrai. Sarah, moi je dis pas non, mais bon. En vrai, je la jouerai pas quoi qu'il arrive avec Baal, parce que j'ai déjà une team en tête pour l'utiliser, mais bon. Une fluorescence. Alors j'ai déjà R5 ma fluorescence. Mais ça ferait peut-être une deuxième pour l'utiliser à l'occasion un jour pour un build potentiellement intéressant. Sixième multi. Et toujours pas. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Allez, une Sarah au moins.
Voilà, la rigueur, me donne pas de Sarah, mais donne-moi direct balle en 50-50. Ah, encore suppose. La catastrophe. On est, je sais même plus où est-ce qu'on en est, à 6, à 7, j'ai perdu compte. Ça y est, j'ai. Je veux même plus savoir. Je ne suis plus rien. Allez, allez, allez. Hyper rituel. Enfin, c'est pas mon rituel que j'ai déjà 3 fois R5. Qui me donne même pas une invocation en plus, c'est génial. Je crois qu'on va traverser la soif, si je dis pas de bêtises. On va être vers les 70, on va s'approcher des 80 là. Ça serait cool que ça tombe maintenant. Ok, que ce soit Baal maintenant. Allez, allez. Ah bah Sarah, est-ce qu'elle va appeler sa maîtresse? Allez, allez, allez. Allez, allez, ça peut attendre. Allez. Non. Non. C'est pas le bon électro. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Ça fait très 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 mal. Bon. On va faire un tour à la boutique. Histoire de pleurer un petit coup. Et accessoirement de prendre une multi. Oh, ça fait mal, hein, ça. Ouf. Bon, 50-52 perdu. On va continuer de toute façon. Ça, il n'y a pas de souci, on va continuer, mais bon. J'aurais préféré la drop maintenant quand même, tant qu'il y a à faire. Allez, bah, on est reparti pour une deuxième pity. Bon, 4 étoiles. Bon, maintenant on est en 100%. La question c'est quand est-ce qu'on va avoir le 100%. Barbara tombée du camion de nulle part. J'ai pas cette à la rigueur, Barbara, je l'ai très très rarement droppé. Donc. À la rigueur, mais ça me fait moins de coups de potentiel en plus. Ok, deuxième multi du deuxième cycle. Donc deuxième multi jusqu'à la 100%. Non, on n'y arrivera pas comme ça, hein. Xiangling. Une single en plus, mais une single en plus, bon. Un jour, faudrait vraiment qu'il rajoute le craquage sur Genshin. Un craquage de 4 étoiles ou 3 étoiles en 5 étoiles, ce serait très très beau. Ça nous ferait des beaux espoirs, quand même. Et une deuxième Xiangling, bah voyons. Quand on n'en a pas assez de ces 6, on continue. Sarah, non. Sarah, non. Et bah c'est reparti pour un tour comme on dit hein. Troisième multi. Allez s'il te plaît fais-moi tomber maintenant. Non. Alors bah arc de Favonus, bien sûr. On a, c'est exactement ce que je demandais. Là. Bon bah on va speeder tout ça parce qu'il n'y a plus grand chose à voir dans la multi. En vrai je me suis balle, là je me suis envoyé jusqu'à avoir balle. Quatrième. Non, encore 4 étoiles. Ah, ça va. C'est un. Ok. J'aime bien. On a fait quoi? On a fait... On a fait 120 poules. J'ai eu que 2 Sarah quand même. Hein. C'est assez inquiétant, je dois dire. Ça fait mal. Je vous fais une petite coupure ici. On va passer du côté, comment dire, du refilage pour aller chercher Baal. Donc, je vous dis à tout de suite. Ok, nous revoici. On est reparti. On a fait ce qu'il faut pour avoir Baal. En tout cas, je l'espère. Donc, on est à 4 multi sur le deuxième cycle. Et on veut avoir Baal le plus rapidement possible pour dégager de ce portail et ne plus en parler. Juste Baal, j'ai tout ce qu'il faut pour la monter en plus, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir vous la showcase, je vais aussi vous showcase Aloy, qui
qui est sorti, que j'ai eu en exclusivité donc sur PlayStation. Donc, ça serait pas mal. Bon, une flûte, d'accord, très très bien. Si je peux avoir un deuxième, une autre Sarah à la rigueur dans le pool. En fait, quand je les demande, elles ne viennent, elles viennent pas, et quand je ne les demande pas, elles viennent. Peut-être que je vais me taire, tout simplement. Ça sera peut-être plus simple comme ça. Donc on avait fait 4 multi, on a fait la 5ème, donc on va faire la 6ème multi, si je dis pas de bêtises, du 2ème cycle. Ok, ça y est, elle est là. Fini. Fini, je me tire ce portail. C'est fini. Elle m'aura fait suer, hein. Quelle horreur. Quelle purge. Aïe, Sarah dans la vue. Bon, très bien, pas mal. Très très bien. Ok. Et ben on termine comme ça. Je vais directement aller dans les personnages. M'occuper d'elle. J'avais tout prévu, bien sûr, pour la montée. Alors, côté de l'arme, je vais lui mettre une berge de la voûte d'azur, R3, vitesse d'attaque, taux crit et recharge d'énergie en main stat. Je vous prie de croire que ça va être une sacrée arme pour cette belle demoiselle. On va aussi l'équiper donc du set que j'ai préparé à son effet, à savoir qu'il doit être sur Yanfei, si je ne dis pas de bêtises. Tac. Tac. Yanfei. Ici. Et ici. Donc rien que comme ça, déjà, on est de base sur un 61 de taux crit, 144 de dégâts crit, et on a 224 de recharge d'énergie, sachant qu'avec son ascension, elle va encore en gagner, on s'approchera des 260 de recharge d'énergie, avec quand même une coupe électro. J'ai quand même voulu mettre en avant les dégâts électro dans la mesure où je la jouerai tout le temps sous ultimate, en fait, donc c'est pas mal. Bien sûr, elle c'est 0, on vient de la dropper, et pour l'instant, elle n'est que en 1-1-1, mais ça ne saurait tarder pour la monter, bien sûr. Je vous passe, bien sûr, tout ce petit... Hop, je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas, hein, le petit pouce bleu, le petit abonnement sur YouTube si vous voulez me soutenir, venez nous voir sur Twitch quand je pourrai reprendre le live tout simplement, quand j'aurai la connexion internet bien sûr décente pour, et n'hésitez pas aussi à, suivre, à venir sur le Discord pour parler avec la communauté et à suivre la chaîne Twitter pour être informé des news tout simplement. Allez, je vous remercie à tous, passez tous un très bon moment et une très bonne journée, et j'espère tous que vous avez pu avoir balle si vous avez invoqué. Salut à tous.